moi, ce que je suis, en fait, le code d'Adamski, comment j'ai pu écrire ce livre, comment j'ai commencé par, j'ai découvert un code dans la série Les Envahisseurs, et ce code, je l'ai nommé le code d'Adamski, parce que j'ai remarqué, à un moment donné, j'étais invité chez des amis, donc je suis Peter Knight en tant que chercheur sur les énergies libres, et grâce à mon père qui, lui, avait été élevé par on ne sait pas qui, certainement des membres d'un consortium, et ils ont changé d'ailleurs sa date de naissance et tout, et il n'a même pas été à l'école, il a été élevé par un précepteur, et qui fait que il a eu des informations absolument incroyables qu'il m'a transmises dès que j'étais petit. C'était au Brésil. Et ce qui fait que il a été suivi en Espagne par quelque chose qui semblait être comme des espions de l'espace. Ce qui fait que moi, j'ai été au cœur de l'affaire puisque j'ai vu ces disques volants qui emmenaient mon père, donc des membres de ces gens-là. Et j'ai découvert que la série des Envahisseurs est un code absolument incroyable. Tous les épisodes que vous voyez la série des Envahisseurs, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre froide avec Russes et Américains, mais qui était dominé par la troisième force noire, que Robert Charroux appelle la troisième force noire, qui était la force nazie, qui se relevait après 1945 à travers l'opération Paperclip pour contrôler le monde avec les énergies Tesla. Mais vous savez, Monsieur Peter Knight, je ne connaissais pas la série Les Envahisseurs. Je pensais au début que c'était la série V, Les Eh Visiteurs. non. Mais parce que j'appartiens à la génération des films de super-héros comme Superman, Batman, les X-Men, Moi etc. aussi, moi aussi. Et vous m'avez parlé tantôt de la série Fringe. Justement, je suis en train de terminer la première saison. C'est ça. Puis ça parle d'un complot d'êtres qui appartiennent à une autre dimension. You're prohibited from discussing this with anyone inside or out of this office. I am coming to you with a solid lead. You're wasting your breath and my time. What is it that you're afraid of? Been trained for a lot. Hostage crises, chemical attacks. What I've been seeing recently, I'm scared. I just want to go back to before. I don't think you can. Pour ceux qui auraient jamais vu Les Envahisseurs, parce que c'est quand même une série des années 60. Oui. C'est quoi le... Pouvez-vous nous résumer un peu ce qui se passe dans cette série-là? Alors la série Les Envahisseurs, montre la phase de la guerre froide secrète déclenchée par les nazis entre voulant contrôler les Russes et les Américains. C'est-à-dire ce que vous voyez dans la série Les Envahisseurs, au début, tous les épisodes sont des blonds, des grands blonds, qui ont le petit doigt qui s'écarte, se raidit et se courbe, se casse un peu, parce que ce que l'on montre là-dessus, dans ce détail, est un détail très important, découvert par le baron Guillaume Dupuytren, qui n'a pas été dit dans la série. On voulait faire croire que c'était des agents extraterrestres comme ça, et puis on mettait ce détail. Mais quand vous voyez sur les magazines de télévision, les magazines TV de l'époque, on voit le portrait de Roy Thinnes, l'acteur qui joue le rôle de David Vincent, et qui pose à côté d'un élément qui est curieux, c'est une bobine de Tesla. Oui. Et personne ne s'est aperçu de ça à ces époques-là. Personne n'y connaissait rien. Il n'y avait pas d'information à ces époques-là de Nikola Tesla. C'est venu sur Internet assez tard, ça. Donc, en fait, les blonds que vous voyez sont des membres, en réalité, de la pure lignée aryenne viking. Les membres de la pure lignée viking ont entre l'âge de 40 et 50 ans, le petit doigt, l'auriculaire qui s'écarte et se raidit comme ça et se courbe un peu, se casse
Et c'est le baron Guillaume du Trutan qui a soigné ces Allemands, ces Nordiques, et qui a appelé ça, ça s'est appelé la maladie Dupuytren. Lui-même l'appelait la maladie celtique, et il dit que c'est une mutation complètement inconnue. Or, dans Les Envahisseurs, Roy Thinnes, enfin l'acteur, on fait dire à l'acteur le scénario suivant, qu'on reconnaît ces pilotes de disques volants à lévitation magnétique à la mutation de leur auriculaire. Et ça n'est pas un hasard, puisque Adolf Hitler avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale construire des disques volants à lévitation, c'est-à-dire c'était au mercure, l'agent propulseur Hydrargos, Alger le mercure, donc qui est d'ailleurs la représentation de Mercure de la mythologie grecque. C'est un homme qui a un petit casque ailé qui ressemble d'ailleurs à une soucoupe volante et qui va très vite et qu'on appelle le messager des dieux. Et ils se sont fait messager, les grands blonds, justement, messagers de la race humaine, se sont fait passer pour des extraterrestres afin de diriger l'imaginaire humain jusqu'où ils voulaient pour faire disparaître en arrière-plan le moteur qu'ils avaient créé, le moteur à distorsion gravitationnelle. Donc là, on est en plein dans un piège. Là, les différents cryptogrammes qui sont insérés dans la série des Envahisseurs, c'est de la part d'un consortium qui a créé cette cryptocratie. C'est-à-dire qu'on est là en train de planer comme si on prenait de la drogue dans la science-fiction, croyant que nous, on est évolué en faisant de la science-fiction. C'est le seul domaine, la science-fiction, qui est un puissant domaine de manipulation, de guerre psychologique de type MK Ultra. C'est-à-dire en prenant votre imaginaire, il vous empêche de faire pousser votre propre imaginaire pour découvrir l'univers. Eux, ils ont mis leur imaginaire dans la science-fiction, dans tous les romans de science-fiction depuis les années 60, et vous n'y comprenez rien. Pourquoi, au même moment que les comics dans les années 60 de Stanley Lieber, qui s'appelle Stanley, et Jack Kirby, comment que ça se fait qu'on parle de mutants, de rayons laser, de soucoupes volantes? Et c'est pareil pour Perry Rodan dans les années 60, c'est pareil pour tous les comics américains. Au même moment, il y avait ça, justement quand l'opération Paperclip s'est installée, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un essor d'un imaginaire qui est le même. Une soucoupe atterrissant sur la Lune, alors ce qui veut dire que la série des Envahisseurs, c'est profondément ancré dans ce domaine-là, mais vous pouvez lire le cryptogramme, c'est-à-dire, je vous dis, non seulement ces grands blonds, ces blonds aux doigts, à l'auriculaire déformé, existent réellement, les envahisseurs de la série culte des années 60 existent réellement, mais les machines que vous voyez, par exemple, les générateurs et les régénérateurs, surtout les tubes dans lesquels ils se régénèrent, ce sont vraiment des tubes qui ont été créés dans les années 60, et justement, le réalisateur Andrew McIntyre, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je l'ai appelé le code Adamski, c'est qu'Andrew McIntyre avait dit à Roy Thinnes, ce réalisateur-là, qu'il avait été suivi, il était pilote de bombardier, donc rattaché au Pentagone, et ce qui est curieux, c'est qu'il a fait sa série concernant le Pentagone. Toutes les armes et générateurs à énergie libre que vous voyez dans la série, non seulement il y en a qui sont miniaturisés, comme les killer disques qui tuent en créant une décharge sur la nuque, et ça crée une ce qu'on appelle une crise cardiaque ou une embolie cérébrale. Et ce qui se passe, c'est que les diodes de ces disques, ils sont de forme pentagonale. Les pistolets laser vus de face avec la visée triangulaire dessus et le canon et la forme carrée est un pentagone. Les cristaux de sublimation pour l'esprit, pour hypnotiser l'esprit, vus de dessus sont de forme pentagonale. Tout est de forme pentagonale dans la série des Envahisseurs. Les paraboles qui tournent pour créer des tremblements de terre ou arrêter les moteurs des voitures et tout, dans la Vallée des Ombres, par exemple, eh bien, c'est un pentagone qui tourne comme dans l'épisode Cauchemar pour essayer de domestiquer des papillons, détruire la nature. Eh bien, la parabole et le pupitre est de forme pentagonale. Pour sublimer l'esprit de Roy Thinnes, pour lui prendre son cerveau, il va dans une machine qui est de forme pentagonale étirée. Tout est de forme pentagonale. À croire que celui qui était pilote de bombardier, qui était donc relié au Pentagone pendant la Deuxième Guerre mondiale, a découvert une invasion de ces blonds au Pentagone. C'était donc ça a commencé à être construit aux environs du en mine en sept au le
Oui, je crois bien que c'était le 11 septembre 1941, ils ont commencé à vouloir construire le Patagone. Donc le Patagone serait un emplacement pendant la Deuxième Guerre mondiale d'une invasion de ces êtres ariens au Kilwarehead avec leur machine de Tesla Energy qui s'installait dans le monde entier. Et si ça se fait, Andrew McIntyre les a vus. C'est-à-dire qu'il a diffusé les dossiers réels de ces, notamment par exemple l'épisode Panique. Vous avez à la fin de l'épisode Panique une soucoupe où vous voyez un camion, un semi-remorque, où il décharge des caisses pour les mettre dans des dans une soucoupe volante. Or, il ressemble à des Allemands. Donc, en fait, je l'ai mis dans mon premier tome. Vous verrez, il y a une soucoupe allemande à côté d'un semi-remorque, justement. Peter... Dans une photo. On va faire une chose, Peter Knight. J'aime ça les gens comme vous qui parlent beaucoup. Vous avez beaucoup d'informations. Si jamais j'ai une question, là, je vais faire ça comme ça. D'accord. Comme ça, vous finirez votre phrase, puis après d'accord. Ça, j'ai... Comme ça, vous... Comme plusieurs penseurs, comme je pense notamment à Jordan Maxwell ou bien David Icke, vous pensez que les émissions, les films hollywoodiens et même les bandes dessinées projetteraient non pas de la fiction, mais une certaine réalité, ce qu'on appelle du symbolisme inversé, un peu comme si la matrice elle-même se dévoilait subtilement dans la culture populaire sous l'apparence de la fiction. Moi, ma question que je veux vous poser, M. Peter Knight, c'est comment en êtes-vous venu à cette conviction? J'ai découvert au fil de... Quand j'étais jeune, j'ai découvert donc, avec ce que j'avais vu quand j'étais jeune, ces disques volants, plus dans les gorges du Tarn, il m'est arrivé la même chose que David Vincent. C'est-à-dire, je me suis perdu sur une route de campagne. Il était 3h du matin. Dans le pré-générique, on dit qu'il est 4h du matin, que l'architecte voit une soucoupe. Moi, je l'ai vu à 3h du matin dans les gorges du Tarn, exactement la même soucoupe qu'on voit dans la série Les Envahisseurs. Et j'ai su que tout était vrai. C'est-à-dire que tout individu à qui ça arrive, on a l'impression d'être plongé dans une bande dessinée et que tout vole en éclats dans sa vie à cause de ça. J'ai essayé d'alerter des tas de gens, comme David Vincent, et je me suis retrouvé dans le personnage de David Vincent très rapidement après avoir découvert ce code. C'est-à-dire que il se passe quelque chose dans ma vie à l'heure actuelle où je vois des disques volants tout simplement parce que je contacte certaines personnes. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est exactement ce qu'on voit dans la série Les Envahisseurs. Je suis même à même de comprendre que tout ce qui a été dit dans l'ufologie est tiré des romans de science-fiction depuis les années 30, c'est-à-dire ce que vous voyez dans les romans de science-fiction et ce que vous voyez à Hollywood après, dans les années 50, des films de soi-disant science-fiction, est tout à fait la réalité concrète de ce que j'avance. C'est-à-dire que vous reconnaîtrez, par exemple, et beaucoup d'êtres humains se sont trompés en disant « Oh, ben, tout est extraterrestre, on n'explique rien, c'est une... Non, c'est extraterrestre, on ne peut pas expliquer. » Mais non, ça c'est comme de dire les curés qui disent « Les voies du Seigneur sont impénétrables. » Alors, pas du tout. Justement, il faut au contraire analyser le processus de lead secret de chaque être humain. Lead est un système subconscientiel, c'est-à-dire un dispositif qui permet de voir l'univers. Mais si un consortium a deviné ça afin de bloquer notre civilisation, il contrôle l'imaginaire humain par la science-fiction afin que notre œil intérieur se ferme justement à cet univers. Et c'est ça la matrice. La matrice, nous ne sommes pas enfermés dans une matrice en fait. Nous devons découvrir que nous avons été pétrifiés par des images qui nous ont englobés avec des informations qui ont suivi dans l'ufologie. L'ufologie est donc tirée de la science-fiction, codée, cryptée par un organisme très puissant. D'où la phrase, quand les Blonds ont averti Howard Menger, il leur dit « Howard, vous savez qu'il existe sur la Terre une organisation qui est comparable aux mythiques démons. Ils asservissent l'esprit humain par télé-influence. Ils possèdent une super technologie et peuvent asservir un peuple souterrain qu'on ne connaît pas encore. » Ils nous disent ça. Ils se regardent, les deux Blonds. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont des sortes de dissidents et qui veulent nous avertir. Et un peuple de Mars. Vous avoir des vaisseaux spatiaux pour aller sur Mars et pour asservir soi-disant un peuple de Mars. Donc, ce que dit le capitaine Kay, qu'il a fait la guerre avec des vaisseaux spatiaux type Star Wars et qu'il est allé sur Mars, que de Ronald Rumsfeld l'a décoré sur la Lune et tout ça, je pense qu'il y a une partie de vrai, mais l'autre est fausse.
C'est-à-dire que ce capitaine Kay est peut-être utilisé pour en train de nous raconter qu'il existerait des extraterrestres. Alors ils veulent cacher à ce moment-là le consortium nazi qui lui, eux, est allé sur la Lune avec les vaisseaux Tesla, avec les disques volants que Tesla voulait créer en 1907. Donc, dans la série Les Envahisseurs, vous voyez non seulement les soucoupes type Tesla, vous voyez les blonds qui ont le doigt écarté, qui sont les nazis de l'époque, qui pilotaient les disques BMW, les Flugelreds, donc les Flugelreds, qui étaient des disques volants à décollage vertical. Donc là, on a tout le topo de la série Les Envahisseurs. Ils torturent les gens avec des machines à énergie libre Tesla pour asservir le cerveau humain, ce que dit Howard Menger quand les deux blonds lui racontent ça et lui disent « on est asservi par une organisation comparable au mythique démon ». Donc là, ça c'est dans le 19e chapitre de « Mes amis les hommes de l'espace » ou « From Outer Space to You » de Howard Menger. Donc là, on a le code des envahisseurs complet à travers différents… alors comment j'en suis venu, c'est-à-dire que je me suis moins dès tout petit, mon père a apporté des comics que j'ai commencé à lire de partout. C'était des tas de super-héros. Il y avait Flash Gordon, entre autres. Flash Gordon est un des éléments d'ailleurs qui nous rappelle l'homme, c'est-à-dire il est blond, grand blond aux yeux bleus, avec des bottes et des pantalons jaunes purs comme s'habillaient les Allemands, les leaders de 39-45. Donc là, on a un aventurier. Qu'est-ce qui se passe? Une planète arrive dans le système solaire. Qu'est-ce qu'on dit depuis l'ufologie, depuis les années 70 avec Zakaria Sitchin, qu'une planète risque d'arriver, la planète X? Mais c'était dit dans les années 30, ça, par Alex Raymond. Or, Flash Gordon, il a sur son costume, quand il va sur cette planète, où il y a des hommes ailés, comme le dit Zakaria Sitchin, dans ses livres, une planète d'hommes ailés avec... ils ont des costumes qui ressemblent à des oiseaux, comme on voit en Égypte où il y a des ailes autour du disque de Ra et tout ça. Donc là on a le processus exact à travers Flash Gordon de ce qui s'est passé dans l'ufologie à partir des années 70. Non, mais c'est Alex Raymond qui l'a dit avant Zakaria Sitchin, qu'une planète rentrait dans le système solaire et il y aurait des dieux dessus. Il y aurait des dieux. Donc en fait, là, on est en plein dans la. Donc j'ai su moi, j'ai fait un rapport, un retour de, quand j'ai Flash Gordon, quand j'avais lu, quand j'étais petit, Flash Gordon, c'est la planète. J'ai pas été étonné puisque c'est une planète qui vient dans le système solaire. Il y a des dieux dessus. C'est ce que disait Zakaria Sitchin dans son livre La deuxième planète. Mais lui, il le dit des années après. Monsieur Peter Knight, vous avez évoqué à plusieurs reprises. Nikola Tesla, qui est connu quand même par beaucoup de gens pour son incroyable génie, selon vous, où a-t-il puisé toutes ses connaissances monumentales et pourquoi que ce sont ses inventions qui sont montrées dans la science-fiction comme les envahisseurs? Alors, il faut savoir, je l'ai mis dans le premier tome, vous pouvez lire mon premier tome, il était un ami de Vivekananda. Vivekananda était un homme d'origine donc hindou qui faisait des grandes conférences sur les anciennes races, sur tout ce qui s'est passé. Et donc ça nous connecte à Madame Blavatsky. Ils en parlent dans la nouvelle série X-Files. Ils font référence à Madame Blavatsky à un moment donné dans les discussions avec Mulder et entre Mulder et puis sa collègue. Donc en fait là on a c'est pareil. Il y avait des informations données secrètement par Vivekananda, certainement à Nikola Tesla, sur la science et la conscience, c'est-à-dire non seulement la science qui va dépasser en certains points toutes les religions, une science secrète de l'énergie libre cosmique qui traverse le corps humain. Donc ça, c'est les recherches de John Kelly en 1860. Et tout ce qui était, ce qui devait mener à une méta-humanité. Ça veut dire que Nikola Tesla était au courant et il a refait les plans de machines anciennes Atlantes, selon, à mon avis, les directives de Vivekananda, qui était, lui, lié à mon avis, à un groupe secret que Madame Blavatsky connaissait parfaitement, puisqu'elle avait un livre secret qui s'appelait « Les Stances de Dhyan » et elle a été pourchassée par un hindou à cause de ça. Et d'ailleurs, elle était tellement pourchassée qu'à un moment donné, quand elle est rentrée, je crois que c'était à Marseille, quand elle est rentrée d'Inde en bateau, le navire a été, les, les,
il y a eu un rayon terrible qui a désintégré les gens à l'intérieur, mais on n'est resté que de la cendre ou de la poudre, et ça, ça ressemble aux envahisseurs. Et je peux même vous citer un truc, donc on a dans le Guy Breton et Louis Powell racontent que des gens désintégrés auraient été atteints par des rayons comparables au laser, donc dans le livre Histoire magique de l'histoire de France. Quand il y a eu au cours des années 1860-70 à peu près des désintégrations, pour eux ça venait de ce rayon laser. Ils expliquent qu'il faudrait penser que ce rayon aurait existé dès 1860 lorsque la comtesse Cornelia a été réduite en cendres. Or justement, moi j'ai découvert par hasard donc que grâce à ce que disait Robert Charroux, que John Kelly, le chercheur John Kelly, avait créé un désintégrateur sonique laser entre 1860 et 1870. Ce qui fait que ça corrobore ce que dit, eux ils le savent pas, ils ont pas l'air de le savoir que Robert Charroux avait dit ça. Alors Guy Breton nous dit donc qu'il faudrait penser que ce rayon aurait existé dès 1860, c'est vrai, puisque John Kelly l'a créé, et même les mines, les services de recherche des mines, pour les entreprises des mines, l'ont demandé pour fabriquer des tunnels sous la terre. Donc là, on peut même imaginer que le complot vient aussi de créer des bases sous la terre grâce au canon laser de Sonic de John Kelly. Et il dit en fait ils ajoutent, Louis Powell et Breton ajoutent que ce rayon serait actuellement aux mains de mystérieux criminels dont le but nous échappe. Donc là on est en plein dans les envahisseurs là. Donc là on est réel là, c'est pas extraterrestre, vous voyez, on est en fait dans la guerre, ce qu'on voit dans les envahisseurs, mais qui est crypté d'une façon extraterrestre, mais en fait qui est réel. La guerre froide, donc, c'est cette guerre dont je vous dis. Alors, imaginez l'installation de ces qu'on voit dans la série Les Envahisseurs, de ces régénérateurs. Pour eux, ils se régénèrent, les envahisseurs. Avec ça, ils ont une sorte de super énergie. Eh bien, ces générateurs ont existé, ils ont été manufacturés même. C'est le chercheur et chasseur de nazis, à l'instar du réalisateur de la série Les Envahisseurs, Andrew McIntyre, dont la fille d'ailleurs travaillait avec George Adamski, mais là c'est Gianni Dotto, un autre chasseur de nazis, qui a créé ces générateurs qui pouvaient guérir le cancer instantanément, et c'est Sloan Kettering qui en a interdit la diffusion en série, la construction en série. Donc il voulait que ce soit que les gens attrapent le cancer pour la pharmacopée chimique. Monsieur Peter Knight, vous parlez du code Adamski, mais c'est qui ça George Adamski? Et pourquoi vous vous référez à lui? Alors, George Adamski, je suis parti du contexte de ce qui était entièrement un virage pour ce consortium des blonds, c'est-à-dire qui ont volé les énergies Tesla. Donc, imaginez le consortium, il voit le vaisseau Tesla en 1907, il voit les plans, il vole les plans de Nikola Tesla qui l'avait annoncé au Waldorf Astoria Hotel qu'il allait faire son disque volant supermagnétique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le vaisseau de Nikola Tesla, c'est la soucoupe de George Adamski. Ok. Complètement, avec les boules dessous, tout, hein, tout. D'ailleurs, je n'ai pas le. Tu l'as pas, toi, Lara. Ben, tu te souviens pas du titre de ce petit film de 5 minutes? Alors, j'ai pas. Là, je pourrais vous le donner, hein, le titre de film de 5 minutes seulement. Il faudrait que je me coupe et que j'aille voir ce titre de ce petit film. Vous montre non seulement la soucoupe de Nikola Tesla sur ses plans, mais en plus une version virtuelle de la soucoupe de Tesla à partir des plans. Vous enverrez le lien bien. Plus tard. C'est... Je vous enverrai le lien juste après. Ouais. Hein. Pas de problème. Et là, on comprend toute la notion de ce qui s'est passé. Pourquoi George Adamski, justement? C'est une bonne question. Parce que George Adamski avait ouvert une loge secrète, la loge tibétaine, la loge royale du Tibet. C'est pas une loge vraiment secrète, mais c'est la loge royale du Tibet. Quand on sait que les nazis ont créé leur loge tibétaine aussi, vous pouvez imaginer ce qu'a donné l'opération Paperclip en 1945 jusqu'de 45 aux années 50. L'installation d'un consortium d'obédience nazie possédant des disques volants, qu'est-ce qu'ils se disent? Puisque déjà, Werner von Braun, avant la Deuxième Guerre mondiale, voulait faire sa ligue interstellaire. Ils reprennent l'idée de Werner von Braun,
Werner von Braun, il le laisse faire son fameux soi-disant programme lunaire, dont j'en doute que ça soit le réel programme lunaire. Et curieusement, ils se disent, en arrière-plan de Werner von Braun, on va apparaître avec des fusées dans les médias, mais nous, on fabrique les soucoupes de Tesla. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour noyer le poisson, on va prendre un quidam qui a une loge secrète. Tiens, lui, il en a une, Adamski, Georges Adamski, on va pouvoir manœuvrer comme ça. On va dire, il va faire ses petites discussions au restaurant Le Palomar. C'est la première image que vous voyez de David Vincent, où il va, à l'hôtel, il y a marqué Le Palomar. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il s'avance vers cet hôtel, et qu'est-ce qu'il voit? Madame Adams. Les 5 premières lettres du mot Adamski. Il rencontre Madame Adams. Donc, Madame Adams dit à mon mari, voyez des choses, il est mort d'une crise cardiaque. Georges Adamski est mort mystérieusement d'une crise cardiaque après avoir filmé un ovni au-dessus de chez lui. Il a filmé cette espèce d'ovni et c'est quelques temps après qu'il ait filmé ça qu'il est mort retrouvé d'une crise cardiaque. Et dans Les Envahisseurs, ceux qui découvrent leur existence meurent d'une crise cardiaque. Ah, ok. Vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu où oui. Ça mène. Si vous lisez les cryptes, c'est-à-dire ce qui est les cryptogrammes, et que vous ramenez à la réalité, et que vous voyez un peu comment Georges Adamski a-t-il pu faire ça, on lui a laissé libre de dire c'était des extraterrestres. Comme ça, tout a été éloigné. Les services de renseignement liés au gouvernement américain pro-nazi et qui faisait qu'il y avait, que tout le monde le sait, puisque ça a été dit par John Loftus et tous ces gens-là, qu'il y avait des documents importants, que le CIA s'était composé de membres nazis, on a la solution. Les hommes en noir de l'ancienne Gestapo sont devenus des pilotes de disques volants Flugelreds, le BMW. Donc là, c'est sûr que je l'ai su par mon père. Mon père m'avait dit à une époque, quand j'étais jeune, tu sais, il m'avait dit, Peter, il y a un consortium qui existe, il n'y a pas le moteur à essence. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrêté le moteur à essence, ils ont fait que des moteurs électromagnétiques. D'ailleurs, j'en ai la preuve puisque quelqu'un à Monaco me l'a dit. Il m'a dit qu'un de sa famille a été brûlé par les moteurs électromagnétiques nazis. Il faisait des essais sur l'antigravité. Et en fait, on en vient à... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé récemment un document filmé de Jacques Bergier, qui est en train de nous dire, Jacques Bergier, que le gouvernement français est au top niveau de l'antigravité. Et curieusement, ça reprend ce qu'a dit Maurice Katjesop, un astrophysicien de renommée mondiale dans les années 50, qui dit que le gouvernement américain était en train de construire des vaisseaux antigravité. Lui, il l'avait annoncé comme ça, la télévision, qu'il fallait qu'il en construise pour absolument devenir des êtres interstellaires, quoi. Et ça, c'est donc là, pourquoi Georges Adamski? Parce que Georges Adamski, lui, qui avait sa loge royale du Tibet, ça a attiré les services de renseignement et le consortium d'obédience nazie pour le manipuler. Comme ça, ils se sont dit, on va lui dire des choses, il dira que c'est extraterrestre, et comme ça, nous, on est tranquille, on peut envahir le monde avec l'antigravité et les autres planètes. Comme ça, personne ne saura rien, et donc on fera des films de science-fiction à Hollywood, puisqu'on sait que Hollywood avait été investi par les nazis avant la Deuxième Guerre mondiale, par... Gisling, là, le ce qu'on appelle l'ambassadeur à Los Angeles, c'est lui, Gisling, qui était nazi, qui donnait son assentiment pour certains films. Et on peut donc imaginer que à l'opération Paperclip, quand ils ont décidé de faire deux films, c'est Werner von Braun qui était l'ami de Walt Disney. Alors Walt Disney, il a fait un film qui s'appelle la réalisation des trucages du film de Planète Interdite, c'est Walt Disney justement. Et Planète Interdite, ça rejoint ce qu'avait fait Werner von Braun et Walt Disney sur un petit film qui s'appelait Tom Corbett Space Cadet. Et c'était un film de propagande interstellaire pour atterrir sur une autre planète, notamment la planète Mars, où dans les années 50, on voit dans ce film qu'il découvre une pyramide géante sur Mars. Mais curieusement, il découvre un sphinx, un visage disposé en sphinx, comme dans ce qui a été après photographié par la sonde Viking en 1976. Mais ça, c'était dans les années 50. Or, la sonde Viking rappelle des êtres aux petits doigts. C'est ce que je dis dans un document qui a été pris, qui dure un quart d'heure. Ça s'appelle, si tu peux le voir, Peter Knight Meta TV. J'en parle. Or,
le designer Isamu Noguchi, japonais, le designer Isamu Noguchi, lui, en 33, fait son projet à la charrue. Il veut faire une immense pyramide géante, une pyramide géante, je veux dire, et il veut faire, en 1947, un visage géant de 2,5 km à peu près, justement, le visage qui a été photographié. Et ça, c'était en 1947, quand il veut faire. En 1933, il veut faire sa pyramide, en 1947, il veut faire son visage géant. Or, on retrouve ça en 1976, photographié par la sonde Viking, donc qui interpelle, puisque ça, je le répète, c'est ces êtres de pure lignée viking qui ont le petit doigt raide. Donc, ça n'est pas un hasard. Il y a une mise en scène. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, ce qui veut dire que Isamu Noguchi, pour moi, avait fait des plans concrets et ça s'appelle Mémorial à l'homme, visite de Mars. Son plan, son projet. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi, je vais l'expliquer clairement maintenant parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Pour moi, Isamu Noguchi, c'était pendant la montée du nazisme. C'était en 1933, il veut faire sa super pyramide pour démontrer qu'il y a une intelligence, c'est-à-dire qu'on serait une humanité très intelligente. Il avait peur qu'une guerre nucléaire arrive. Justement, les nazis travaillaient sur le nucléaire. Donc, lui, il avait peur d'un ébranlement et une guerre totale de l'extinction de la race humaine par une guerre nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait en 47? Il fait son visage pour qu'on reconnaisse que on est une humanité intelligente, pour que ceux qui rentreraient des êtres venus d'ailleurs nous verraient qu'on aurait été une humanité intelligente. Donc, c'est l'inverse. C'est pas un truc de science-fiction avec des, c'est nous les finalement qui nous posons en tant qu'extraterrestres grâce à ces chercheurs là, à ces designers. Alors ce que je veux dire, c'est que maintenant que le visage fait effectivement à peu près 2,5 km, c'était un projet d'Isamu Noguchi. Alors moi, ce que je pense, c'est que Isamu Noguchi, soit il faisait partie de ce consortium de la loge du Vril, par exemple, où on lui avait demandé, ou soit des nazis ont pris son plan et l'ont fabriqué sur Mars. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez que Benjamin Fulford, l'agent de liaison au niveau des médias pour ce qui est le journaliste Benjamin Fulford, avait dit que, avec les milliards que possèdent Rothschild et Rockefeller, ils peuvent avoir une base sur Mars. Donc, ça peut être un message. Ah oui, voilà, on en arrive à ça, obligatoirement. Hein. Donc là, si forcément les gens y rêvassent, on leur dit, on leur donne une drogue aux gens, la science-fiction. J'avertis le public, hein, mondialement, à travers vous, que la science-fiction est un domaine très dangereux au niveau de la manipulation mentale. Il faut reconnaître les codes dans la science-fiction si on veut être à même de comprendre. Donc la science-fiction non seulement est un terrain de la grande guerre psychologique de type MK-Ultra, dans une vision des choses très fine, très affinée. C'est-à-dire, si vous ne lisez pas les codes, vous devenez un abruti de la science-fiction. C'est-à-dire un gars qui fume des joints, quoi. Vous êtes comme dans une fumerie d'opium. My name is Anna. Don't be frightened. We mean no harm. The newly opened visitor healing centers are drawing huge crowds. Please heal me. It's amazing. Standing by to go to air. Don't ask any questions that would portray us negatively. Afraid I don't have a choice. This interview is now canceled. The visitors didn't just get here. They've been here for years. They've been printing fake docs, passports, IDs, best fakes I've ever seen. Once embedded among us, they set out to cause worldwide instability. C4. They've been implementing a plan that will result in the extermination of every man, woman, and child on the face of this earth. Donc en fait, la science-fiction est le seul domaine où on dit à tout le monde, bah oui, mais c'est de la science-fiction. Tandis que les autres films, non. Vous pouvez dire que le western, oui, bah ça existait, il y a eu des duels, des films de KPDP, bah oui, ça existait, il y a eu Richelieu, il y a eu les mousquetaires, il y a eu tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait la Deuxième Guerre mondiale, si on veut faire des films, bah oui, ça existait. Les galions, Christophe Colomb, tout ça, ça existait. Les films d'espionnage,
Ben oui, on s'aperçoit maintenant que même James Bond, ça existait, puisque c'était celui qui a créé James Bond, était lui-même un agent de Sa Majesté. Donc là, tout a existé. Mais la science-fiction, vous dites, non, rien n'a existé. Rien n'existe de la science-fiction. C'est exprès. C'est en fait un énorme complot mondial, mondialiste, je dirais, d'un consortium qui fait ça. Et il faut les démasquer maintenant. Monsieur Peter Knight, de quel type d'invasion parlons-nous parlez-vous exactement dans vos deux livres? Premièrement, est-ce que c'est une invasion positive ou négative? Et c'est dans quel but? L'invasion, il s'agit de se pencher sur une histoire très particulière de la Terre pour expliquer ce qui s'est passé au temps de l'Atlantide et la perdition de notre de l'immortalité relative au niveau de l'univers physique. Le seul corps biologique qui existe à l'heure actuelle qui est immortel, c'est une méduse, une petite méduse. Alors je vous dirai pas le nom parce qu'il est compliqué. Cette petite méduse se régénère cellulairement constamment. Alors maintenant, c'est dans les laboratoires, mais je vous dis qu'on n'aura jamais les résultats. C'est juste pour une élite. Hein, cette recherche est juste pour une élite. Ils ne vont pas vous raconter ça, hein, les gens. Parce que justement, les anneaux d'auto, les régénérateurs, pouvaient conférer une immortalité relative. Maintenant, le complot, voilà ce qu'il est. Toutes les planètes du système solaire ont un nom, des dieux de l'Olympe. Et les Olympiens, on le sait, c'est le concile des 300. Les hommes politiques, les rois, les princes et tout ça font partie des Olympiens. On le sait, les Bilderberg, on les intègre là-dedans, mais on sait que les Bilderberg, c'est une obédience nazie, ça a été fondé par un prince nazi. Donc, ce qu'il y a en arrière-plan des nazis, c'est les dieux de l'Olympe. On rejoint la César, César avec ses dieux. Les dieux, quand ils faisaient le salut, comme les nazis ont fait le salut, le même salut. On en revient à l'aigle noir, à César et Adolf Hitler et ses nazis pour le salut romain et des dieux. Les dieux de l'Olympe, qui sont-ils? Zeus, c'est l'énergie hyper électromagnétique. C'est les deux flèches de foudre qui se mettaient sur les cols de costumes, les nazis. C'est-à-dire les Sowelou, la rune Sowelou, l'électromagnétisme. Les SS, section spéciale, ouais. Et la section spéciale était, c'est-à-dire l'ancien ordre Atlante, c'est-à-dire l'ordre noir Atlante, c'est-à-dire les membres d'une force obscure, souterraine, très certainement, qui vit au-delà du pôle, dans une autre région, mais qu'on appelle hyperboréen. Ils ont dénaturé le mythe hyperboréen et ont pris la place de ce qu'on appelle de Dieu, quoi, carrément. Ils génèrent la foudre, comme Moïse avec son arche d'alliance, c'est-à-dire tout ce qui est la foudre et la puissance électromagnétique que Nikola Tesla a repris, puisqu'on appelait ça le génie de l'éclair, le génie de l'électricité, et il pouvait manipuler des écarts de foudre de 50 mètres de long. Donc en fait là, on a l'éclair de génie de Massimo Teodorani, si on peut le lire, vous verrez. C'était des et même encore la zone où il a un siècle après la zone qu'il a utilisée est encore bleue de l'énergie libre qu'il a utilisée avec la foudre. Donc tout ça pour vous dire que ce complot remonte à la manipulation de l'énergie libre depuis la fin de la période Atlante, qui a mené à la destruction totale à cause de la manipulation de ces énergies du champ magnétique de la Terre qu'on retrouve à l'heure actuelle à travers Arc. Oui. C'est-à-dire Arc et la reconstruction de cet empire noir nazi qui est pour nous surveiller, mais en même temps pour capter le champ magnétique de la Terre afin de comment on peut dire de recharger des sous-marins nucléaires ou des disques volants qui peuvent voler dans l'espace. On a ça, on a les planètes du système solaire, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, ce sont les membres des 12 dieux de l'Olympe, mais la Terre n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom générique et la Lune. C'est une Terre, une Lune. Pourquoi? Parce que on a effacé notre mémoire. Un blackout a totalement rasé dans le système solaire notre mémoire d'immortel. C'est pour ça qu'on est mortel maintenant. On n'a plus l'accès à l'immortalité relative. Seule une élite le possède, une aristocratie spatiale. Ce qui fait que ce qu'on voit dans les envahisseurs, la régénération par les tubes et les régénérateurs type d'auto, qu'on voit dans les tubes régénérateurs de David, quand David Bassan découvre dans une usine ce qu'on appelle hydroélectrique, ça fait référence à Tesla avec son usine hydroélectrique
sa centrale hydroélectrique qu'il avait fait aux chutes du Niagara. Donc, on a le matériel Tesla par les turbines Tesla. Donc, tout ce qu'on voit dans les envahisseurs, hein, c'est invariable, vous avez tout le contexte de Zeus. L'équipe de Zeus et de ses 12 dieux de l'Olympe, Apollon, il avait le permis de tuer donné par son père Zeus, qui n'aimait pas du tout la race humaine. La race humaine est complètement secondaire. Elle est larguée. D'ailleurs, vous le voyez sur le dictionnaire de la mythologie, Zeus n'en a rien à faire de nous. Et lui, il s'est arrangé avec Hadès pour avoir le centre de la Terre. Zeus, lui, il a l'espace. Et Poséidon, il a la mer. Et puis le reste, la race humaine, il n'en a rien à faire. Donc, si quelqu'un découvre cette manipulation des énergies, de la foudre, de Zeus et de tout ça que a recherché Tesla et que les nazis après ont remis avec des machines très spécifiques, c'est-à-dire antigravité, machines de régénération, etc. Vous avez le complot des 12 dieux de l'Olympe. Les Olympiens, le Mont Rainier où a vu Kenneth Arnold a vu ses disques, j'ai découvert ce que c'était et je ne le dis pas pour l'instant, et il a vu des disques rebondir comme des petites pierres plates qui rebondissent en ricochet sur la surface de la mer. Il a vu ça et donc là c'est pas loin de ce qu'on appelle le volcan le Mont Rainier, qui est en fait c'était Paradise Valley, le paradis quoi, le val du paradis. Ça, c'est le retour au Dieu, et la montagne s'appelle la montagne du Dieu, donc la montagne de Dieu. Donc en fait, ce Mont Rainier, il n'est pas là par hasard, et ce qui est sorti de là, il n'est pas là par hasard non plus. Donc en fait, il faut comprendre que le processus de l'opération Paperclip a mené les nazis au Mont Rainier avec leur soucoupe. Il y avait une base de lancement très certainement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les hommes en noir qui ont été vus à Paradise Valley et qui ont annoncé qu'ils avaient détruit un avion qui s'est crashé à 3000 mètres d'altitude sur le Mont Rainier. Et quand ils y sont allés, c'est Kenneth Arnold qui recherchait ça. C'est pour ça qu'il a vu ces disques. Et quand il a vu ça, il est allé. Il y avait une récompense de $5000. Donc lui, il voulait certainement cette récompense. Et il a vu tout à coup ces disques. Mais quand ils ont récupéré l'avion, soi-disant des témoins ont vu un homme en noir téléphoner à un journal local. C'était en fait... cet avion, il dit que les passagers ont vu quelque chose, donc nous avons abattu cet avion. Quand ils ont découvert l'avion, les 32 marines qui avaient dedans avaient disparu. Et je sais qu'ils ont été emmenés au centre du volcan, en fait, dans une base très particulière. Donc, et Dahl, qui, au même moment, quasiment, a vu une soucoupe larguer du métal qui a tué son chien et blessé son fils, c'est en fait... Dahl a deux agents de renseignement sont venus en C-43, ont pris les morceaux. Quand l'avion a décollé, l'avion s'est écrasé et les morceaux que ces deux agents des services de renseignement avaient pris, ils ont disparu. Donc ça ressemble drôlement à la série Les Envahisseurs. Donc ça commence mal, l'ufologie. Très très mal. Ça, c'est le début de l'ufologie, 47, hein, et c'était en 47, ça. Donc, ça commence très, très mal. Ouais. Et maintenant, McClellan est en train de dire que Werner von Braun était sur le site du crash de Roswell. Alors, ça change tout, ça. Ça a été dit que maintenant, mais moi, je reprends ce que j'ai découvert, moi, depuis longtemps, et que je ne connaissais pas. Je savais pas qu'un astronaute allait dire avait révélé qu'il y avait Werner. Alors, j'ai enquêté sur Werner von Braun, et effectivement, c'est un membre de la pure lignée aryenne viking, du petit doigt qui serait dit entre l'âge de 40 et 50 ans. J'en ai vu, hein, ici. Monsieur Peter Knight, je serais curieux de savoir en quoi les nazis sont-ils liés à ce complot-là, concrètement. Là, Concrètement, parce qu'en fait, les nazis ont ce que j'appelle le syndrome de l'hyperborée. C'est-à-dire, tout ce qui a été Adolf Hitler, c'était pour retrouver les anciens dieux de l'hyperborée. Ils ont fait des recherches, ils ont créé une société, la Nénerbe, hein, qu'on appelle la Nénerbe, et ils ont découvert des choses absolument inimaginables et inouïes. Hein. Je peux en citer un, hein, je peux citer quelque chose. Alors, voyons, où est-ce que j'ai mis ça voilà, je l'ai là. Je vais vous le dire. Hein. Prenez votre temps. Voilà. Un chercheur que Adolf Hitler a connu dans son enfance, qui s'appelle Lanz von Liebensfeld.
vivant donc à Vienne, donc je répète qu'Adolf Hitler connaissait dans son enfance, avait fondé une société secrète. Hein, on recommence avec comme Adamski avait fondé cette société du Tibet, comme Hitler a fondé des sociétés tibétaines aussi, enfin des sociétés bouddhistes tibétaines. Nommé Ordre du Temple Oriental, cette société de Lanz von Liebensfeld, opposant la race des héros ariens, blonds, aux yeux bleus, hein, c'était leur obsession, chef-d'œuvre à l'image des dieux dotés d'organes électriques et de stations de force et d'émission. Ça ressemble pas aux envahisseurs qui se régénèrent, ça? Ils ont un corps artificiel et ils se régénèrent. Là, von Liebensfeld donc évoque la race des héros ariens blonds aux yeux bleus, chef-d'œuvre à l'image des dieux dotés d'organes électriques, de stations de... Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Ça veut dire que la recherche de l'immortalité relative est concrète dans le sens que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des documents anciens, donc je peux en révéler un autre, hein, c'est Andrew Thomas qui a découvert des documents du Vatican qui attestent de l'existence d'êtres possédant un corps n'ayant ni chair ni sang. Alors ça ressemble complètement aux envahisseurs parce que c'est même dit dans la série Les Envahisseurs. Ils se régénèrent, ils ont une... Donc là, la néchanissant est issue, il nous informerait Andrew Thomas que il serait issu d'une matière atomique cristallisée. Alors si vous les tuez, on est en train de penser, c'est ce que j'ai dit à Rock Soccer, donc si on voit le document d'1h45, on peut peut-être les tuer, et comme c'est une immortalité relative, ils se désintègrent, quoi. Voilà, ils peuvent ne rien laisser. Mais ça, il s'est pas lié, von Liebensfeld. Il y a un document de von Liebensfeld qui parle de ces êtres dotés d'organes électriques et de stations de force et d'émission. Et une autre information d'Andrew Thomas qui dit qu'il y a une race, des documents du Vatican attestent de l'existence d'une race ayant un corps n'ayant ni chair ni sang, à vos souhaits. Donc voilà, on est dans le complot. Il pourrait donc exister des gangs fabriqués, et ça c'est dit dans First Wave. Je sais pas si vous avez vu First Wave. Il faut voir la série First Wave. C'est la suite quasiment des Envahisseurs. Alors ça me dit absolument rien. Plus je connaissais pas les Envahisseurs non plus. Alors. In 1564, Nostradamus predicted the destruction of Earth in three terrifying waves. The first wave is here. My name is Cade Foster. These are my journals. They killed my wife, framed me for murder. Now I run, but I don't hide. With the prophecies of Nostradamus as my guide, I seek them, I hunt them. I will stop the first wave. C'est Francis Ford Coppola qui a produit cette, mais qui a dû donner des indications au réalisateur, c'est-à-dire au scénariste, parce que pour moi c'est lié, ils se désintègrent quand on les tue, ils ont des gangs artificiels, et c'est des quatrains perdus de Nostradamus qui permettent aux héros de retrouver la piste de ces gens-là. Et c'est très curieux, hein, ça ressemble aux envahisseurs, hein. Alors les douze dieux de l'Olympe, j'en reviens à ça, l'éclair unique d'Odin, repris, bah, pourquoi les nazis sont obsédés par ça? Parce qu'ils ont un lien avec l'hyperborée, ce sont des nordiques, il y a une ancienne science, ils sont attirés par quelque chose qui dépasse l'entendement, et ils ont rejoint, moi je me suis demandé si la Deuxième Guerre mondiale n'a pas caché la résurgence d'une organisation hyperboréenne au centre de la Terre. Ils se sont mêlés avec les Allemands. Et je pense qu'il y a eu un déclenchement de la rune magique, c'est-à-dire la croix gammée, la Zostika, et les runes d'Odin, c'est-à-dire les deux éclairs. Et je crois qu'il y a eu une runologie, puisque les cloches runiques d'Hans-Kammler par aspiration magnétique au mercure rouge, je pense que c'est lié à la recherche de l'ancien empire Atlante, c'est-à-dire décadent hyperboréen, qui a été replacé sur la Terre et remis dans des films de science-fiction. Donc ça explique, si l'ancienne Atlantide a été détruite par un armement de type les envahisseurs, forcément que le nom de la Terre a été effacé.
pas le simplement le nom de Tesla après, pas simplement le nom de certaines personnalités qui ou alors qui ont été tuées et tout ça, mais le nom de la Terre entière. Comme ça, en n'ayant plus la vibration du nom de la Terre, on perd son immortalité, on ne rejoint pas le consortium olympien. D'accord. Eh oui, c'est pas mal comme complot. D'ailleurs, dans le premier épisode de la nouvelle série de X-Files, j'ai été étonné que Mulder parle comme moi. Tout à coup, il dit non, c'est un complot humain, c'est plus extraterrestre, c'est des machines avec la technologie extraterrestre. Mais j'ai même découvert que, non, de toute façon, la technologie extraterrestre dite à Mulder, et il veut pas le dire Chris Carter, c'est l'ancienne technologie des anciens dieux aristocrates de l'Atlantide. Donc là, on n'en sort pas, c'est toujours un truc hyperboréen, quoi. With the discovery of something that's so shocking, you'll want to prepare yourself for the truth. Tad O'Malley has been making claims. Alien DNA lurking in every American citizen. Put there without your knowing it. Put there by whom? Who sent you? You set this in motion. Now you're gonna put a stop to it. Far too late for that, Fox. Lines of communication are being cut. Systems are falling. It would now appear we go out with a deafening silence. Monsieur Peter Knight, si vous voulez bien juste changer de créneau un instant, vous avez le 21 juin 2001 à Bordeaux, et vous êtes arrivé à vous et à votre compagne une expérience insolite. C'est Est-ce ça. Que vous pouvez nous la raconter? Est-ce que c'est ce que vous nous avez raconté tantôt, que vous avez vu un ovni ou c'est autre chose? Non, c'est ce que j'ai raconté, avant, j'avais vu ce disque volant avec deux amis dans les gorges du Tarn à 3h du matin quand je m'étais perdu sur une route de campagne. Donc là, c'est comme David Vincent, hein, et on a vu le même disque, tout ça. Mais le deuxième, donc, c'est... Enfin, le deuxième, non, j'en ai vu d'autres. Ce deuxième exemple que vous me voulez que je cite, c'est effectivement, non seulement on a été suivi par cette espèce d'engin, alors il y a un ami qui était connecté à la météo, qui était connecté à l'armée, qui a demandé tout de suite, il n'y a jamais eu de lancement de quoi que ce soit. Bon, je savais déjà de toute façon que le fait de nous suivre, c'était absolument incroyable. Et... ça avait la texture d'une bulle de savon, mais très étrange. C'est-à-dire, je t'ai expliqué, ça a été filmé par des gens parce que ça nous survolait constamment, donc des gens filmaient. Et d'autres se demandaient ce que c'était. On s'arrêtait dans un magasin, ça nous attendait. C'est-à-dire que ça pendant 3 heures, ça a duré ça. Et ensuite, on est allé à l'extrémité à l'autre bout de Bordeaux. Et là, le truc nous a largué, il est parti dans la campagne. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait, donc j'ai ressenti quelque chose parce que j'avais fait une méditation très particulière, justement, et quand je suis sorti, j'ai vu ça quand je suis sorti de cette église. Donc, c'était suspendu exactement à l'endroit où moi je me trouvais carrément, au bout de cette église. Donc, en fait, c'est pas un hasard non plus, ça captait mon énergie très certainement. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça ressemblerait presque à l'émission d'un super champ magnétique visible. Alors, je pense un truc comme ça. Et là, ça fait partie, c'est lié à une connaissance, mais quelques jours après, je suis allé chez des amis, et c'est là où j'ai raconté à Rock Soccer que j'ai vu une chose encore plus étrange, c'est-à-dire que je suis sorti, on mangeait tous ensemble, on était une dizaine de personnes, et au pas de la porte, j'ouvre la porte, ça donnait sur un jardin dans la campagne, et j'ai vu le ciel rempli de feuilles, comme des feuilles d'or qui bougeaient de partout, comme quand on est dans un globe et qu'on bouge un petit globe, si on est ces petits globes là qui bougent des petites feuilles d'argent ou de la neige, des petits globes de souvenirs. Et là, je me suis dit, j'ai tout de suite compris quelque chose. Donc, il se passait que l'espace n'est pas ce qu'on croit. Voilà, l'espace qu'on voit est peut-être même une forme de, comment on pourrait dire, c'est peut-être truqué. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, alors donc, moi là, je pense que je pense que ceux qui vont dans l'espace, j'ai déjà lu des rapports que les premiers cosmonautes
dans l'espace, il y en a qui ont été carrément enlevés. C'est-à-dire, ils ont disparu. Ça n'a pas été, on n'a pas été informé de ça. Et les femmes, là, il y a eu des, on a parlé de femmes qui ont vu quelque chose dans l'espace. Je ne sais plus si c'est la navette Atlantis ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y en a une qui s'est évanouie. Elle n'a pas pu dire ce qu'elle avait vu, etc. Et je sais, j'ai lu un rapport d'un cosmonaute qui dit, ou d'une femme cosmonaute qui dit, ah, j'en tiens, là, je vois, tu vois ce que je vois, tout ça, je vais essayer de, mais on ne sait pas du tout ce qui est tout à coup, comme si l'espace n'était plus l'espace, quoi. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais je pense que c'est la réalité. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, la NASA le bloque tout, s'il y a un blackout, quoi. Et quelque chose qui ne va pas. Monsieur. Je vais pas l'expliquer. Oui. Monsieur Peter Knight, votre livre, Le secret des envahisseurs, a comme sous-titre Le code Adamski et les maîtres du temps. Qu'est-ce que les maîtres du temps? Alors, les maîtres du temps, je pense que le phénomène de l'éternité nous mène à l'immortalité relative. Et que, en fait, il y a une manipulation du temps. C'est-à-dire, quand Hans Kammler, le nazi, a fait son programme Chronos pour les cloches à aspiration magnétique runique au mercure rouge, je pense qu'ils ont interpénétré une zone de temps différent, c'est-à-dire une zone, on pourrait presque dire un plan de temps parallèle. J'ai l'impression que lorsqu'on se trouve dans un disque volant et dont le champ puissant de lumière réfractée tourne autour de l'engin, ça crée une différence, un décalage temporel. Et je pense que ce décalage temporel peut générer une désintégration corporelle. Alors, ce qui s'est passé pour l'Eldridge, l'Eldridge, c'est E173, c'est Nikola Tesla on avait placé des bobines de Nikola Tesla, généré un super champ magnétique, et l'Eldridge a disparu instantanément. S'est retrouvé à Norfolk, qui serait le Montauk de 1983. Donc, de 1943 au 1983, il y aurait eu un décalage spatio-temporel instantané et des marines auraient été désintégrées comme dans la série Les Envahisseurs. Je pense que ce qu'on nous montre dans la série Les Envahisseurs est ce fameux décalage temporel. Et quand on a demandé à l'Allemand von Neumann de régler cette situation, Nikola Tesla avait déjà dit qu'il fallait prendre la signature électromagnétique de chaque être humain et la coder au point zéro. Je voulais dire pas, je pense qu'est-ce qui, au point zéro de l'univers, du système solaire d'abord, de la Terre et du système solaire et de l'univers ensuite. Je pense qu'il y a une construction de bornes, on pourrait dire que c'est des rétrovoyages, des bornes qui sont installées par un consortium et qui peut changer la phase de la matière en un champ, c'est-à-dire universel, où on atteint le degré d'éternité. C'est-à-dire que là, on ne vieillit plus. Et il se passe une stase, un phénomène associé à l'énergie Tesla. C'est-à-dire un vaisseau spatial qui reste et qui tourne sur lui-même à une certaine vitesse avec un champ magnétique giratoire. Je pense que déjà, quand vous le maintenez à une super vitesse supérieure et quand le vaisseau disparaît à vue, j'ai découvert que l'émission de champ de force à lumière réfractée générée dans des laboratoires à l'heure actuelle ne glisse pas dans l'espace mais dans le temps. Ça a été dit par les chercheurs. Hein. Donc là, on a toute la raison de découvrir tout ce qu'il y a qu'on nous cache depuis le programme Chronos allemand. C'est-à-dire sans faire exprès, certains Allemands s'emballisent, ont dû se désintégrer, soit dans le vaisseau, soit quelques saisons, ils se sont trouvés dans la zone de temps. Il fallait une balise, il fallait un implant pour qu'il vibre avec la borne au point zéro, comme le disait Tesla, ou alors dans un tube pour pas perdre sa forme humaine. C'est-à-dire, vous fondez au fur et à mesure que vous allez en 1800, par exemple, parce que vous n'existez pas. Vous êtes né. Donc, il faut, comme disait Tesla, ces systèmes de verrouillage au point zéro de la Terre, du système solaire et de l'univers. Ça a été travaillé à Princeton, hein, ça. La galaxie qui tourne, les planètes qui tournent, c'est plus le même temps. Si vous quittez la planète, vous n'êtes plus dans le même temps. La théorie des champs unitaires, c'est aussi ça. Hein. Donc voilà. Donc, je sais plus la question que vous m'avez posée. Ah, je voulais savoir, c'était quoi les maîtres du temps, fait que vous dites-vous. Les maîtres du temps, c'est que
vous pouvez apparaître, donc, qu'est-ce que c'était la machine dont on a parlé avec... Oui, le chronomodulateur, et c'est... Non, comment il s'appelait, le chercheur, déjà ? Émile Drouet. Le chercheur Émile Drouet a fait une machine à remonter le temps. Elle est identifiable par un numéro de série de son invention. C'est-à-dire, vous pouvez... Il y a un numéro, il s'est enregistré à son invention. C'était il faisait générer quelque chose avec un dispositif à l'équateur de la Terre, parce qu'il avait remarqué que la Terre tourne à une certaine vitesse, il fallait que ça soit au nombre d'or, donc ça coïncide. Et lui nous raconte comment marche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le chronoviseur de Werner von Braun, créé avec je ne sais plus quel savant. J'ai le nom dans le deuxième tome, hein, je l'ai mis dans le deuxième tome. Là, j'ai plus le papier, mais j'ai le nom de ce savant qui dit qu'il a créé un chronoviseur pour voir le temps, pour viser le temps. Et j'ai compris que ça faisait partie des dispositifs à l'intérieur d'un disque volant. C'est-à-dire, vous visez une zone temporelle et vous y allez. Alors, si la soucoupe avec son champ de lumière réfracté disparaît dans le temps, donc ce champ, comme on le sait dans les laboratoires, ça glisse, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Vous pouvez atteindre une zone, c'est ce que dit Émile Drouet. Curieusement, le chronoviseur, je viens de découvrir dans un roman de science-fiction de Perry Rhodan, que Perry Rhodan envoie la Terre à travers le temps avec un chronomodulateur. J'ai tout de suite compris que c'était le chronoviseur de Werner von Braun, parce que ce sont des modulations de fréquence, et dans une bande dessinée de science-fiction qui était dans les années 60, c'était Crépy ou Eri, on vous dit qu'on voyage à travers le temps avec des modulations de fréquence. Et c'est ce que dit Émile Drouet, justement. En générant certaines modulations dans la gamme des ultraviolets, vous pouvez traverser le temps. Data, report. We appear to be caught in a temporal wake. Captain, Earth. The atmosphere contains high concentrations of methane, carbon monoxide, and fluorine. Life signs? Population approximately 9 billion. All Borg. How? They must have done it in the past. They went back and assimilated Earth, changed history. But if they changed history, why are we still here? The temporal wake must have somehow protected us from the changes in the timeline. Sir, the vortex is collapsing. Hold your course, Mr. Hawk. I must follow them back. Repair whatever damage they've done. Donc là, on est en plein dans ce qu'on appelle le phénomène matriciel des dimensions supérieures, des dimensions parallèles. C'est-à-dire, le temps est annulé. C'est pour ça que les pilotes vous disent, j'ai 400 ans, j'ai 200 ans. Et beaucoup de pilotes d'OVNI l'ont dit. D'ailleurs, on a un exemple dans One Man Gear. Il voit des années, quand il est adolescent, il rencontre une pilote d'OVNI. Il va rencontrer des années après, lui, il a vieilli, elle est toujours pareille. Ce qui veut dire que l'énergie libre de Tesla cache automatiquement ce fonctionnement d'éclipse de temps.